Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, Patricia. Steph, bonsoir à toi. Bonsoir Marilyn. Donc en fait, les lives, je les démarre, mais généralement, elles commencent à peu près 5 minutes après, de façon à ce que tout le monde puisse se connecter. En fait, les gens reçoivent les notifications, donc le temps que les gens puissent se connecter, pouvoir commencer à... Donc, comme vous le savez, ce soir, donc c'est le premier live que je fais en direct. Donc je vais... il y a six sujets ce soir qui ont été proposés. Et donc, du coup, s'il y a des gens qui proposent des sujets autres que ceux que je vais évoquer ce soir, je les note. Et du coup, je les mettrai pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais vous évoquer du coup les six sujets qu'on va parler ce soir. Donc, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à commenter, à envoyer un petit message, parce que je les lis. Donc, du coup, ça permet d'interagir avec vous. Donc, le premier sujet dont on va parler, c'est la lèse. Les techniques de propreté que je peux vous proposer concernant la lèse. Donc ça, c'est une lèse au charbon, celle-ci, parce qu'elle est noire. Du coup, voilà. Mais vous avez les lèses classiques blanches qui sont aussi bien. Alors, sachez une chose, c'est que tout ce que je vous propose ou dis dans les lives, surtout tout ce qui concerne un peu tout ce qui va être porté sur l'éducation, etc. Ce n'est que mon avis et ce n'est aussi que des choses que j'ai pu constater. À aucunement, je suis... moi, je ne suis pas éducateur canin. Moi, mon rôle, moi, je suis éleveur. Hein, donc, tout ce qui est éducation canine, je connais certaines choses, mais je suis pas non plus au point d'un professionnel du domaine. Après, si vous avez vraiment des problèmes particuliers avec votre chien en termes d'éducation ou de comportement, faut pas me demander à moi. moi, je vous oriente vers un éducateur comportementaliste de votre région ou de votre commune, qui sera plus à même de vous aider sur votre situation. Voilà, hein, moi, mon rôle. C'est vraiment le minimum en termes d'informations sur ces problématiques-là. Donc du coup, donc ce soir, le premier sujet donc, va être des techniques pour la lèse, pour la propreté.
Ensuite, on va avoir un deuxième sujet. Donc, ça va être comment s'amuser avec son chiot. Ensuite, on va avoir un troisième sujet. Comment lui inculquer les règles de base qui peuvent vous aider. On a donc le quatrième sujet, ce sera les signes d'un animal malade ou en tout cas qui ne va pas bien. Hein, des signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille en vous disant, tiens, effectivement, là, le chien, il n'est pas bien. Donc, comment réagir et quelles sont les choses à faire. Ensuite, le cinquième sujet, ça va être la sociabilisation avec les congénères. Hein, donc, je vous expliquerai. Et ensuite, donc, on a le sixième sujet, c'est à ne prendre à pas aboyer. Voilà, donc, il y a des petites techniques que vous pouvez faire. Après, encore une fois, je ne suis pas éducateur. Donc, si c'est un problème de comportement qui est très ancré chez le chiot, il faudra vraiment vous diriger vers un éducateur comportementaliste. Donc, on va commencer sur le premier sujet, qui est des techniques pour la propreté, pour la laisse. Donc, vous n'inquiétez pas, parce qu'en fait, je regarde sur les deux écrans, parce que je suis en live sur l'Insta, et je suis en live sur la page Facebook. Donc, c'est pour ça que je regarde un peu les deux écrans. Donc, voilà. Donc, la technique pour la propreté, pour la laisse. Si jamais votre chiot... Vous lui mettez donc la laisse à la maison, vous décidez de la place parce que effectivement au début vous ne savez pas votre chiot où est-ce qu'il va faire ses besoins. Ou même un chien incontinent, après incontinent c'est plus délicat. Je vous expliquerai les choses pour les adultes incontinents. On peut aussi évoquer ce sujet ce soir. Donc les alaises. Donc bon bah ça c'est une grande alaise, c'est une alaise charbon que vous pouvez utiliser. Et vous avez aussi les alaises classiques, les alaises blanches. Il existe aussi des sprays que vous pouvez mettre sur la laisse qui diffusent en fait une odeur et le chien en fait il va faire dessus. C'est une odeur qui est dedans. Je pense que ça il doit y avoir des phéromones ou des choses comme ça. Et du coup, ça l'attire. Ensuite, moi ce que je préconise, c'est que quand vous posez la laisse, si jamais votre chien il fait pipi ailleurs, comme c'est souvent le cas, vous prenez la laisse, vous la tournez sur l'urine, vous la mettez sur le pipi, comme ça, et après vous la retournez correctement sur le pipi que vous venez d'absorber, mais à la même place. Du coup, et ben votre chiot, il va avoir la laisse, mais il va y avoir son pipi que vous avez fait absorber dessus. Donc généralement, il va faire quoi? Ben, il va y retourner. Souvent, ils vont au même endroit. Donc, il risque d'y retourner. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire pipi sur la laisse. Donc, quand il fait pipi sur la laisse, vous le félicitez. Donc, voilà, c'est des petites choses pour l'approche qui peut être très intéressant. Et surtout qui fonctionne. Après, vous pouvez aussi en mettre partout. Voilà. Vous marchez sur les alaises. Ça peut être aussi très sympa, hein? Un jour j'étais chez une cliente et en fait je suis rentrée parce que je lui livrais des accessoires. Elle avait trois spitz, 3 ou 4 spitz, mais elle les gardait de sa sœur. Je suis rentrée dans le salon, il y en avait partout. Mais alors le salon était recouvert, mais partout, partout, partout. Il n'y avait pas un brin de sol qui restait parce qu'en fait cette dame elle avait des tapis chez elle. Elle avait plein de tapis. Et en fait, ce qu'elle a fait, parce que forcément, bah, ils aiment bien hein, les tapis, donc ça c'est vraiment le problème. Elle en avait mis partout. C'était magnifique. Donc voilà. Bon, sincèrement, moi, je vois pas trop l'intérêt. En plus, ça avait leur donné une très mauvaise manie. Donc je trouve que c'est pas bien. Mais voilà, prenez cette technique-là, c'est-à-dire que quand il fait pipi quelque part, vous prenez la laisse, vous absorbez et vous la retournez. Voilà. Bonsoir Noël. Et après, vous pouvez... De toute façon, il n'y a pas de miracle, encore une fois. Donc, il faut le sortir le plus possible. Même s'il n'est pas content, même s'il pleure derrière le carreau, vous le prenez, vous le mettez dehors, le chiot. Voilà. Alors, s'il mange la laisse, bah, faut le gronder, hein, parce que sinon, vous n'allez jamais y arriver. Parce qu'il y en a qui aiment bien.
Il mange la laisse ou il se promène avec dans la maison. Donc, pour ça, vous avez... Bonjour Violette. Vous avez... ça s'appelle des bacs. En fait, c'est comme des... Alors là, j'ai pas de photo à vous montrer. Mais c'est des... C'est un plateau. Ça s'appelle un plateau d'éducation. Ça s'appelle un plateau d'éducation. Donc, ça s'achète en animalerie ou sur Internet. Et du coup, en fait, vous mettez la laisse à l'intérieur. Vous mettez la laisse et il ne peut pas manger la laisse finalement et il ne va pas se balader avec le plateau. Donc, comme ça, c'est clair. Vous mettez la laisse dedans et puis comme ça reste stable et il peut, il monte dessus et il fait pipi. Donc ça, c'est très bien. Après, voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Donc le sortir, mettez des alaises à l'endroit où il a fait pipi. Absorber idéalement l'urine avec, c'est mieux parce que du coup, il va se rendre compte qu'il a fait pipi sur sur la laisse. Lui, il va croire que c'est sur la laisse, mais finalement, il n'avait pas fait pipi sur la laisse, mais c'est pas grave. Et du coup, il va y aller, il va faire pipi au même endroit. Donc après, psychologiquement, il va se dire, tiens, il va assimiler en fait la laisse avec le pipi, la propreté, etc. Donc ça fonctionne très bien. Et pour ceux qui mangent la laisse, utilisez le plateau d'éducation qui est justement fait pour ça. Voilà. Pour ceux qui sont en appartement, vous pouvez aussi placer la laisse sur le balcon pour lui apprendre à faire ses besoins. Parce que j'ai des gens, des fois, alors surtout l'hiver, je ne vous cache pas que des fois l'hiver, on n'a pas forcément envie de sortir. Même un chien adulte, hein. Même pour un chien adulte. Des fois l'hiver, on n'a pas forcément envie de sortir. Ou parce qu'il est tôt le matin, ou voilà. Et bien, ce que vous faites, c'est que sur votre balcon, vous mettez une alaise. Soit une alaise ou vous achetez des toilettes pour chiens. Les toilettes pour chiens, c'est un bac avec de la fausse herbe, du faux gazon dessus. Et en fait, il y a un réservoir. Et le chien, en fait, il sort en bas faire pipi, mais finalement, il est sur le gazon, sur le balcon, quoi. Mais au moins, vous avez le couvercle. C'est pas celui du dessous qui va recevoir le pipi de votre chien sur la tête, hein. Donc c'est mieux quand même. Comme ça, vous avez le tiroir que vous enlevez et vous jetez son pipi dans les toilettes, quoi. Mais au moins, c'est quand même vachement plus agréable. Et en plus, c'est pratique. Ou pour les gens aussi qui travaillent toute la journée. Voilà. Vous travaillez toute la journée, il n'y a personne pour sortir le chien, et ben il y a les toilettes. Le chien est habitué. C'est déjà mieux pour l'hygiène. C'est aussi bien. Pour l'animal, ça évite qu'il se retienne trop longtemps, parce que faut pas croire, mais je pense que ça cause des problèmes urinaires à force que les chiens se retiennent longtemps quand les maîtres travaillent ou autre. Donc, parce qu'il y a des chiens qui se forcent de se retenir parce que ils savent qu'ils vont se faire gronder quand les maîtres y rentrent. Donc, forcément, c'est pas très agréable pour eux. Et je pense que sur le long terme de se retenir, je pense que ça peut causer effectivement des problèmes urinaires ou des problèmes de reins, enfin voilà, tout ce qui va avec. C'est pour ça que souvent, il y a des chiens âgés qui ont souvent ces problèmes-là. Voilà. Donc je pense que c'est dû aussi au fait de se retenir sur des longues périodes. Voilà, imaginez-vous si vous devez vous retenir de faire pipi pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Je pense qu'à un moment donné, vous allez sûrement avoir des problèmes. Donc l'animal, en fait, il est pareil, hein. Donc du coup, voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je pense avoir évoqué suffisamment des techniques. Je peux aussi vous parler si vous souhaitez. Oui, donc j'avais dit... pour les chiens incontinents ou pour les mâles à tout âge. Alors souvent les mâles qui ne sont pas castrés, parce que généralement un mâle castré, vous n'avez pas trop ce problème de marquage. Donc c'est pour ça que c'est l'avantage. Mais ça, la castration, la stérilisation, on pourra en parler sur un autre sujet.
les avantages, parce que ça a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, on pourra en parler sur un sujet si cela vous intéresse. Concernant les chiens incontinents, il existe des couches culottes. Alors, vous avez couches culottes pour les femelles, et vous avez aussi des bandeaux, des couches bandeaux pour les mâles. Que vous utilisez, en fait, c'est. Alors, moi, j'en ai pas. Sincèrement, moi, j'utilise des couches bébés. Pour Sonic, pour les gens qui ont déjà vu Sonic, donc le petit Husky Toy, avec sa couche. Voilà, donc je lui mets une couche parce que sinon, il fait pipi partout. Donc, généralement, les mâles, voilà, des bandeaux ou des couches, c'est très bien. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi utiliser, alors plus pour des chiots, généralement après quand ils sont adultes, ils n'ont plus besoin de cette méthode-là. Vous avez la cage. Alors ça peut paraître barbare, oh la cage, on enferme le chien dans une cage, mais non. En fait, ça facilite la propreté. Parce que du coup, il est dans un endroit plus réduit. En fait, la cage, c'est considéré un peu comme chez... Enfin, c'est pas considéré, c'est chez lui. Voilà, clairement, c'est chez lui. C'est son environnement. La cage, c'est chez lui. Donc, du coup, quand il est dans sa cage, que vous l'enfermez, alors soit parce que. Alors, ça peut aussi être utilisé pour les chiens qui détruisent. Hein. Mais là, actuellement, on ne parle pas des chiens qui détruisent, on parle de la propreté. Du fait qu'il est dans un endroit, du coup, restreint, dont il a son panier, il va pas envie de, il va pas avoir envie de faire là où il dort, en fait. Donc, ça va l'obliger à se retenir. Donc ça, c'est quand même bien. Ça va l'obliger à se retenir en attendant que vous puissiez lui rouvrir pour qu'il aille faire pipi. Donc, quand vous partez par exemple pour aller faire des courses, ou la nuit, et ça, je vais vous donner une autre technique aussi pour éviter qu'il ait envie de pipi. Vous allez faire des courses ou pour la nuit, vous le mettez dans sa cage, vous lui mettez donc un côté. Alors, faut pas prendre des cages trop réduites hein, quand même, hein. Faut prendre des cages au moins d'un mètre. Hein, ou un parc, oui. bonjour Ingrid, si je ne t'ai pas dit bonjour, je ne sais plus. Ou un parc, alors attention, il y a des parcs qui peuvent être même dangereux. Donc, il faut faire attention à ce qu'on prend comme parc. Je vous explique après. J'ai beaucoup de choses à vous expliquer du coup. Du coup, on revient sur la cage. Je vais noter parce que sinon, je vais pas me souvenir. Alors, parc dangereux, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc... Bonsoir Chantal. Donc pour la cage, les cages c'est très bien. Il faut prendre des cages d'au moins 1 mètre pour que vos chiens ils puissent, alors déjà pas se sentir en prison, parce que c'est pas le but, et qu'ils puissent aussi pouvoir se tourner, faire ces petites activités correctement. Donc il y a un côté où vous mettez la laisse. Il y a un côté où vous mettez le panier. Et où il y a la laisse, vous pouvez rajouter une gamelle d'eau. Ou de croquettes la journée pendant les heures où ils mangent. La cage. Du coup, quand vous partez, que ce soit pour passer la nuit ou pour aller faire des courses, vous enfermez votre chiot dedans. Alors lui, forcément, il va pas être content, mais c'est pas grave, il va s'habituer. À un moment donné, après, c'est pour lui, ça va être. De toute façon, c'est chez lui, donc c'est pas très grave. Eh bien, il va se retenir. En fait, il va s'habituer à se retenir parce qu'il ne va pas avoir envie de faire ses besoins là où il dort. En fait, chez lui, il ne va pas forcément avoir envie de faire ses besoins. Donc, ça va l'habituer à force. Mais quand vous rentrez, la première chose que vous faites, c'est pas d'ouvrir et dire, oh, comment tu vas? On va s'amuser. Non. Vous prenez votre chiot et vous le mettez tout de suite dehors. Ça, c'est à faire direct. Pour qu'il assimile que quand il sort, on va faire les besoins. Voilà. Et quand vous êtes à la maison, la cage, elle reste ouverte. La cage n'est pas une punition. La cage, c'est chez lui. Donc, il y rentre, il y sort, quand il veut, en votre présence. Voilà. Ça, c'est primordial. Faut pas que ce soit une punition qui soit dans la cage. Donc, en fait, quand vous êtes là, vous laissez ouvert. Et du coup, c'est chez lui. Voilà, il va, il vient comme il veut. Quand il dort,
Alors que la cage est ouverte quand il dort dans son lit, on ne va pas le déranger. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, petit conseil. Généralement, alors quand il fait chaud, en période de grosse chaleur, alors que ce soit un chien adulte, là je parle de chiot adulte, je parle de chiot et d'adulte. Voilà. Quand il fait période de chaleur, évidemment, vous laissez l'eau. Quand on est sur des périodes comme actuellement, période automne, hiver, que les températures sont pas super, enfin sont pas très chaudes. À partir de, moi c'est une technique que je donne. Après soit ça plaît pas, mais c'est une technique qui fonctionne. À partir, généralement, moi je conseille vers 19h. Pas trop tard. 18h30, 19h. Vous enlevez. Alors la nourriture, c'est une certitude. Il ne mange plus. Et l'eau. On va me dire, oui, mais du coup, il ne peut pas boire toute la nuit. Oui, sauf que si ton chien, il boit toute la nuit, du moins ton chiot boit toute la nuit, bah, qu'est-ce qu'il va faire toute la nuit? Bah, il va faire pipi toute la nuit. Et s'il mange trop tard le soir, il va faire quoi toute la nuit? Eh bien, il va faire caca toute la nuit. Donc demain matin, bah, tu auras du boulot. Donc d'une part, c'est pas agréable pour lui, autant plus s'il dort dans une cage. Parce que ça veut dire qu'il va devoir passer la nuit avec ses excréments. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas très cool. Donc, petit conseil, à partir de 18h30, 19h, on enlève l'eau et la nourriture et on sort le chien le plus tard possible. Comme ça, il fait tous ses besoins. Il passe sa nuit au propre. Parce que du coup, il va avoir l'estomac vide. Donc forcément, il ne va pas avoir besoin forcément de faire ses besoins. Et le lendemain matin, eh ben, vous remettez pour la journée l'eau et la nourriture. Et non, c'est pas cruel de ne pas donner d'eau. Parce que moi, quand je dors toute la nuit, ben, je ne vais pas boire. Hein. Je ne vais pas manger dans le frigo. Donc finalement, est-ce qu'il en a réellement besoin? Non, je pense pas. Et puis, je vous avoue que je connais pas un chiot qui est mort ou un chien qui est mort parce qu'il n'a pas mangé ni bu toute la nuit. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est un conseil. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, c'est un conseil. Coucou Fabrice! Donc, du coup, voilà. Ensuite, donc je vous parlais tout à l'heure des parcs. Il y a des parcs qui sont dangereux. Alors, tout ce qui va être parc carré, donc avec les montants carrés, c'est très bien. Ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est, vous savez, les petits parcs en fer et vous avez des petits anneaux comme ça dessus. Je vais vous faire un dessin. Alors, généralement, ils sont octogonales, mais bon, je vais vous faire un panneau en fait de parc. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très dangereux. Alors, quand vous êtes là, c'est un petit peu moins dangereux. Mais quand vous vous êtes pas là, ça peut être extrêmement dangereux. Et je sais très bien de quoi je parle. Voilà. Ce type de parc, avec des montants comme ça, là. Ça, c'est très dangereux pour les animaux. Et que ce soit un chien adulte ou un chiot. Surtout le pincher, qui est un chien qui grimpe, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le pincher, il va. Le chien, après, il y en a d'autres hein, qui grimpent. Hein. Le chien va grimper là. Il va vouloir sauter. Sauf que le problème, c'est que généralement, il a les pattes qui restent coincées là. Voilà le problème. C'est que la patte, elle reste coincée et votre chiot, il est bloqué tête en bas. Il ne peut pas se défaire. Il ne peut pas se défaire. Donc, du coup, c'est super dangereux. J'ai eu le cas une fois.
J'ai un chiot qui avait grimpé. Heureusement que j'étais là pour intervenir parce que je l'entendais hurler. Mais imaginez, vous n'êtes pas là. Pas terrible. Il avait la patte qui avait déjà gonflé et ça faisait quoi? Même pas 5 minutes hein, qu'il était coincé. Et du coup, voilà. Donc c'est super dangereux. Donc sincèrement, ces parcs-là, moi je vous les déconseille. Je vous les déconseille. Donc voilà. Après le parc, c'est bien. Vous pouvez aussi utiliser quand vous utilisez la cage. Ou si vous avez une cage qui est justement pas très grande. Ce que vous pouvez faire, ou alors vous avez une cage qui est grande et du coup vous avez de la place, vous pouvez rajouter un parc. Vous avez votre cage. Vous mettez un parc devant la porte. Du coup, alors la nuit, ce que vous pouvez faire, vous l'enfermez pour dormir dans la cage. Et la journée, bonjour Aurélie. Et la journée, vous laissez la porte de la cage ouverte, comme ça il peut se balader dans le parc. Donc ça, c'est aussi sympa. Donc voilà. Surtout si vous voulez faire du ménage, des choses comme ça. Ou vous voulez laisser les portes ouvertes et que, je sais pas, vous habitez dans une cour ou qui aurait un potentiel danger pour le chiot. Au moins, votre chiot, il est en sécurité, il est dans son parc avec sa cage. Il peut se balader, mais en même temps, il peut pas sortir et puis divaguer partout. Donc ça peut être bien. Donc du coup, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur la propreté ou des demandes particulières sur des accessoires à utiliser? Alors, du coup, on va passer sur le deuxième sujet, qui est comment s'amuser avec son chiot. C'est de la complicité, avant tout. Et puis, des jouets. Des jouets, des jeux interactifs. On fera un sujet sur... pas aujourd'hui, mais sur un autre live, je ferai un sujet sur des jeux d'éducatif, des jeux d'éducation. J'achèterai des produits pour vous montrer qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour votre chien. Alors, des tapis où vous cherchez à l'intérieur, des Kong, etc. Mais ça sera sur un autre sujet. Donc, je vous montrerai et je vous expliquerai des jeux. Qui sont adaptés justement pour jouer, pour que le chiot joue, et aussi des jeux qui sont utiles pour des chiens destructeurs. Voilà, tout ça, on fera un sujet sur ça. Donc là, on est sur comment s'amuser avec son chiot. Franchement, plus vous jouez avec votre chien, plus il est content. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de temps limité. C'est sûr que idéalement, il ne faut pas le faire une fois par jour parce que c'est quand même un peu limite. Mais au moins le matin, quand vous le sortez, justement, voilà, vous allez le faire pipi. Après, vous pouvez jouer avec lui, etc. On évite de jouer après que le chien ait mangé. Ça, faut éviter. Hein. Alors, surtout les grandes races. Surtout les grandes races. Quand les chiens y mangent, stop, pas d'activité. Ni sauter, ni courir, ni se rouler. Non, non, non. Super dangereux. Il y a des chiens qui font des retournements d'estomac à cause de ça. Donc non, non. Le chien y mange, c'est stop, pas d'activité derrière. Au moins pendant 30 minutes, 1 heure. Je pense que c'est pas mal. Mais non, on évite. Non, non. Vraiment, faut au moins éviter, quoi. Par contre, avant de manger, oui, ça peut être. Vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème.
Et durant la journée, vous pouvez jouer avec votre chien, vous allez dans le jardin, voilà, avec des petites friandises, etc. Ça peut être très bien. Donc du coup, voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Un jouet préféré, bah ça je leur dirai sur le live justement adapté au jouet. Parce que là du coup j'ai pas de modèle de jouet particulier à vous donner. Après tout ce qui va être des petites choses avec des pouettes-pouettes. Vous avez aussi tout ce qui va être des petites congas friandises. Voilà, toutes ces petites choses-là. Qui sont sympas, les petits animaux avec la longue queue, tous les trucs assez longs, ils aiment bien. Tout ce qui est jeux assez longs, ils aiment bien. Mais ça, je le dirai quand on fera live sur les jeux, sur les jouets, et puis comme ça, je vous en montrerai et tout. Voilà, ce sera plus intéressant pour voir. Et puis après, ceux qui veulent commander aussi, c'est possible, hein, je peux aussi. Prendre des commandes si vous voulez des produits en particulier et tout, je peux vous passer des commandes que je peux vous envoyer. Les os à mâcher, est-ce que je conseille? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont très mauvais pour la santé des animaux, des chiens. C'est tout ce qui va être les espèces de d'os. Je vous ferai un sujet là-dessus, d'ailleurs, ça peut être intéressant, avec une plaquette qui vous explique ce qu'il y a en fait comme ce qu'il y a comme produits chimiques dans ces os-là, notamment de la colle et tout ça. Donc ça, je note ce sujet qui peut être intéressant. Les os à mâcher. Donc par contre. Alors les os à mâcher, je vais vous faire un sujet parce que j'ai plein de choses intéressantes et si vous voulez d'ailleurs que je peux vous commander dont vos animaux vont raffoler et qui sont excellents pour la santé et notamment pour les dents des chiens, que ce soit adultes ou chiots, je peux vous faire un sujet sur ça. Donc, je vais vous faire un sujet sur les friandises et les os friandises et produits à mâcher. Alors, parce que moi, je travaille avec des fournisseurs qui sont au top, produits naturels et surtout sans danger. Donc, du coup, franchement, et en plus, les chiens, ils adorent. Donc, en fait, l'avantage, c'est que comme moi, je suis éleveur, j'ai plein de chiens. Plein de chiens avec tous des goûts différents. Donc, avec mes testeurs, je teste les produits. Ça me permet de savoir si d'une part c'est bon. En fonction des excréments, de savoir si au niveau digestif ça passe. Au niveau qualité du produit. Au niveau goût. Donc, du coup, vous pouvez compter sur moi. Et sur toutes mes bouches. Les produits du coup pour vous. Donc voilà. Les croquettes, ça va être un sujet normalement qui va être fait la semaine prochaine sur l'alimentation. Donc justement, ça peut être intéressant. Alors du coup, il va falloir que je commande rapidement mes produits. Ça va être intéressant de quelle est l'alimentation avec tout ce qui est friandises, produits à mâcher, etc. Le bois de serre, je vous en parlerai aussi parce qu'il y en a. Il y en a qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Il y en a qui sont entiers, d'autres coupés. Donc, quels sont les produits qui sont le mieux?
Donc ça, je vous parlerai de tout ça. Bonjour Virginie. Donc du coup, voilà. Et du coup, oui, donc on verra les os amachés qui sont mauvais pour la santé et ceux justement qui contiennent de la colle et des produits chimiques. Et je suis persuadée que vous, d'ailleurs, c'est ce que vous achetez dans le commerce et que vous donnez à vos chiens. Donc à mon avis, je pense que le jour du live, tout va finir à la poubelle. Donc voilà, parce que ça, c'est les friandises à l'ancienne que papy mamie donnait. Mais en fait, c'est une catastrophe, quoi. Ah bah oui, c'est pas très cher, hein, mais c'est... Bah, c'est catastrophe. Bon, les miens, ils aiment pas de toute façon. Donc, ils ont raison, hein, d'ailleurs, vous voyez. Les miens n'aiment pas. Donc, si mes bouches n'aiment pas, c'est que c'est vraiment pas bon pour la santé des chiens. Bonjour, Noël. Donc, du coup, voilà. Donc ça sera les sujets de la semaine prochaine. Donc là, on est sur, du coup, on passe sur le troisième sujet. C'est comment inculquer les règles de base. Ingrid, qu'est-ce que vous voulez prévoir comme commande pour la semaine prochaine? Donc là, on est sur le troisième sujet, comment inculquer les règles de base. Donc là, je ne savais pas trop la personne qui a donné ce sujet-là, quelles sont les règles de base qu'elle me parle. Moi, je pense que c'est le assis, couché, pas bouger. Les os pour Aristote, je ne sais pas si j'en aurai la semaine prochaine. Oui, envoyez-moi en privé, ce sera plus simple parce que sinon, les gens ils vont pas comprendre. Du coup, on est donc sur les conseils pour inculquer les règles de base. Donc, assis, couché, pas bouger, c'est les règles de base. Enfin, moi, je sais ce que je pense. Pour ça, tous les jours, rabâcher. Il n'y a pas de rabâcher. Il faut répéter, répéter, répéter. Mais il faut que, quand vous lui demandez, bah, il faut que lui soit intéressant pour lui derrière. Il faut que ce soit intéressant pour lui derrière. Donc, une petite friandise. S'il est gourmand, ça peut être intéressant. Vous lui dites, oui, le bois d'olivier, très bien. Bois de cafetier, très bien. Plus tendre que le bois d'olivier d'ailleurs. Donc après, voilà. Alors sachez que moi j'ai travaillé en animalerie, hein. Donc les produits, je les connais, hein. Donc n'hésitez pas. Donc du coup, oui, on est sur les règles de base. Donc le assis. Tous les jours, on répète. Assis. Donc, on lui appuie gentiment sur les fesses. Et vous lui répétez le mot assis. Assis. C'est bien. Vous donnez la petite friandise. Et en fait, à force, tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand vous lui donnez à manger, assis, pas bouger. À chaque fois que vous venez avec la gamelle, il est tout content, tout content. Assis, pas bouger. Donc vous l'aidez, vous lui montrez. Assis, pas bouger. Quand il reste assis, pas bouger, vous lui donnez la gamelle et vous lui dites c'est bien. Voilà. En fait, c'est toujours comme ça. C'est jamais ça sans rien. Il faut qu'il fasse l'action et vous donnez la récompense. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Et après, ça va être ancré. Et après, il va se dire, ah, je sais que quand elle me ramène la gamelle, je dois faire assis, pas bouger. Donc après, tout de suite, il le fait instinctivement, quoi. Donc ça, c'est comme ça. Après, pareil quand vous allez en balade. Quand vous avancez, vous vous promenez, vous arrêtez, vous lui demandez assis, pas bouger. Donc vous l'aidez au début parce qu'il ne connaît pas réellement encore la position qu'il faut avoir. Assis, pas bouger, vous lui montrez.
Après, vous pouvez lui dire debout. Debout et vous avancez. Vous arrêtez, vous recommencez. Si vous avez des petites friandises dans la poche, des petites gnocchis ou des choses comme ça, vous lui donnez. Voilà. Après, pour les chiens qui sont qui ont tendance à qui sont très gourmands et qui ont tendance à prendre du poids, prenez pas des friandises trop grasses. Hein. Parce que sinon, lui, il va faire le sourd. Hein. Ah, j'entends pas si pas bouger. Hein. Ça va durer plus longtemps l'éducation parce qu'il va dire tiens, j'ai un truc à chaque fois. Il va se goinfrer quoi. Donc le but c'est pas de goinfrer le chien. Le but, c'est de le récompenser parce qu'il fait quelque chose de bien qu'on lui avait demandé. Donc, du coup, voilà. Hein, donc, ça, c'est... il faut que vous fassiez comme ça. Donc, à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, vous pouvez lui proposer quelque chose de bien. Alors, soit une friandise, ou alors une caresse, vous êtes très content. Il y a aussi la voix. La voix chez les chiens, c'est très important. Si vous avez une voix très aiguë, coucou mon titi, comment tu vas? Le chien, il va être, super content. Là, ils sentent que c'est rassurant. C'est une voix rassurante pour eux. Ça les rassure. Par contre, si vous lui dites, bon maintenant tu arrêtes, là, il va être surpris. Là, ça va être plus de la crainte. Donc, du coup, il va plus écouter. Donc, il faut vraiment travailler sur les voix. Les voix, c'est hyper important. Si, par exemple, le chien, il s'en va parce que il n'écoute pas, il y a un autre animal, voilà. Vous lui faites peur. Vous lui dites, maintenant, tu viens ici. Le chien, il va se tirer. Si jamais il s'en va, le chien, il va se tirer si vous lui criez dessus. Il va dire, putain, il me fait peur, je me tire, quoi. Que si vous lui faites, viens, mon loulou, allez, on y va, viens, viens. Et vous partez dans l'autre sens, le chien, va se dire, merde. Je fais demi-tour. J'arrive. Voilà, c'est hyper important. Ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser. Après, tout dépend comment votre chien réagit. Mais je sais que les pinchers, si je leur crie dessus, c'est pas comme ça hein, qu'ils écoutent. Hein. Il faut vraiment être enthousiaste, hein, parce que sinon, ils n'aiment pas du tout. Donc, du coup, voilà. Alors là, on n'est plus sur le sujet des friandises, mais Réelle Nature, ouais, c'est pas mal. Après, c'est quelque chose que je connais pas forcément, donc à voir, je regarderai. Donc du coup voilà. Mais toujours si votre chien il fugue ou qui des choses comme ça, alors déjà vous ne courez pas après. Alors ça c'est la base. Jamais courir derrière son chien parce que c'est tellement drôle qu'on va continuer à courir longtemps. Que si vous faites sens inverse, moi des fois je leur fais hein, ou je me cache derrière un arbre. J'adore leur faire ça. Je leur développe leur instinct de recherche. Je me cache derrière un arbre dans les fougères. Et quand ils ne me voient plus, ils se mettent tous à courir de l'autre côté et ils me cherchent partout. Et ils me cherchent partout, ce premier qui me trouve. Et après, quand ils m'ont trouvé, ah, c'est trop bien, allez, on est content et tout ça, voilà. Donc après, ils sont super contents de me chercher. Mais en fait, c'est ça, il ne faut jamais courir après votre chiot. Parce qu'en plus, c'est super dangereux. Surtout si vous êtes en ville, qu'il y a des voitures et tout. Ne jamais courir après son chien. Parce que en fait, si vous courez après, votre chien, soit il va prendre peur, il va courir. Donc il peut se faire rouler dessus, il peut, voilà. Donc c'est super dangereux. Ou alors, il va se dire, tiens, elle me court après, ça va être très sympa, on va jouer. Sauf que lui, il court plus vite que vous. On peut l'oublier. Sauf s'il lui reste une patte sur quatre, mais j'y crois pas trop. Donc du coup, voilà, super dangereux. Donc toujours faire sens inverse. Et vous lui dites, on y va, on y va, on y va, allez, allez, c'est parti, viens, viens, viens. Voilà, aigu. La voix aiguë. Ça les rassure, les chiens. Donc voilà, technique.
Vous pouvez essayer d'ailleurs. Donc après, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Parce que je pense que j'ai tout dit. Pas de questions. C'est que j'explique bien alors. C'est clair. Du coup, on est sur le quatrième sujet. Sujet très intéressant d'ailleurs. Bonjour Goroy, Aniel. Alors le rappel de quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc là, je vais passer sur le quatrième sujet. Donc ça, c'est très intéressant. Le rappel du chien pour les vaccins. Alors ça, on peut en parler sur un autre sujet, je note. Le protocole, je peux vous proposer le protocole vaccinal. Après, une nouvelle, ça change souvent, donc. Le mieux, c'est de voir quand même avec votre veto, mais on peut, je peux évoquer le sujet. Avec le vaccin de rage, etc., on peut évoquer le sujet. Donc, je note, hein, Aniel, pour le protocole vaccinal, ce sujet que je pourrais évoquer sur un live. Ah, le rappel pour qu'ils reviennent vers vous. Alors ça, oui, vous pouvez. On revient sur du coup le sujet d'avant. Alors ça, c'est avec une longe. Vous le faites d'ailleurs souvent en éducation canine. J'ai fait un d'éducation canine avec elle, avec Georgetta. On a fait 10 cours. Elle avait toutes les bases. Assis, couché, pas bouger, le rappel, tout. 10 cours. Voilà, ça c'est du pinscher allemand. Alors pour le rappel, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une longe. De toute façon, en éducation déjà, il faut, hein, c'est important pour le temps que votre chien vous connaisse, si effectivement il n'a pas encore le rappel, etc., qu'il ne se balade pas dans la nature, quoi. Donc une longe, vous pouvez trouver ça chez Decathlon. Vous utilisez une longe pour chevaux. Ça coûte moins cher. Et c'est plus pratique. Évitez les enrouleurs. Vous utilisez une longe pour chevaux. Voilà. Vous avez, ça doit être, il y a 5 mètres, il y a 8 mètres, je crois. Enfin, je ne sais plus trop, mais oui. Comme ça, ce que vous faites, vous attachez votre chien avec la longe. Ouais, mais même après 3 mois. Alors, il faut savoir que l'éducation, généralement, on commence la propreté entre 3 et 6 mois. Et l'éducation pure, c'est-à-dire le rappel, etc., généralement, moi, je trouve que c'est entre 4 mois et 8 mois, quoi, au moins. Moi, c'est que mon avis, hein. Mais à 3 mois, c'est trop petit. On ne fait pas du rappel à, enfin, on fait pas du rappel à 3 mois, quoi. Enfin, je trouve que c'est trop petit. C'est encore un bébé, quoi. Donc, je sais pas s'il a encore. Déjà, à 3 mois, ça veut dire que ça fait qu'un mois que vous l'avez déjà. Voire même pas. Ça dépend. Nous, des fois, quand ça part à 3 mois et demi, vous ne l'avez pas à 3 mois. Donc là, c'est à 3 mois et demi, l'avantage, c'est que là, vous pouvez commencer vraiment l'éducation. Mais à 3 mois. Déjà, qui commence déjà à être propre, ce serait déjà pas mal, quoi. Parce que si vous l'avez eu, comme la loi l'oblige, c'est pas avant 8 semaines, donc ça veut dire 2 mois. Donc ça veut dire que ça fait qu'un mois que vous l'avez à la maison. Donc déjà, en un mois, je pense qu'il y a d'autres choses plus urgentes et importantes à faire que le rappel. La propreté, et déjà que le chien, il vous connaisse correctement. Donc voilà.
Le rappel, moi je pense que c'est pas avant 4 mois, 5 mois, au moins. Donc pour le rappel, vous utilisez une longe, vous laissez le chien partir, ou vous lui faites. Alors déjà, pour savoir le rappel, il faut que le chien il connaisse assis, pas bouger. Hein. Déjà, c'est mieux. Parce que comme ça, vous lui dites assis, pas bouger. Et en fait, vous reculez petit à petit. Vous reculez gentiment. Assis, pas bouger. Vous reculez. Assis, pas bouger. Vous reculez. Et en fait, alors vous reculez pas dans un premier temps de 2 mètres parce que le chien, non. Vous reculez pas à pas. Et en fait, quand vous avez fait déjà, vous avez fait 1 mètre, vous lui dites, c'est bien, allez, viens, viens. Petite friandise. On recommence. Assis, pas bouger. On recule. 1,50 m. Viens, c'est bien, allez, viens. Petite friandise. On recommence. Assis, pas bouger. On recule. Assis, pas bouger. Généralement, il faut le répéter plusieurs fois. Hein. Assis, même en reculant, hein, vous le répétez. 2 mètres. Bien. Allez, viens, on y va. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est petit à petit. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, progressivement, on fait ça. Et après, ça ira tout seul. Après, vous n'aurez plus besoin de la longe. Voilà. En fait, la longe, c'est un fil de sécurité. C'est juste un fil de sécurité. Donc voilà. Et c'est important. C'est important. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas mal sur ce sujet. On va le clôturer. Et donc là, on passe sur le quatrième sujet. Le quatrième sujet, qui sont les signes d'un animal malade, en fait, ou qui ne va pas bien. Les signes d'un animal malade qui ne va pas bien. Alors, que ce soit pour un chiot ou pour un chien adulte, hein, là, on parle vraiment pour le chien global. Parce que généralement, c'est pareil. Première alerte. Première alerte, la nourriture. Si votre chien ne mange pas, ne vient pas manger comme à son habitude, ça c'est la première chose qui doit vous alerter. Après, attention, parce que ça dépend des périodes. Des fois, quand il fait trop chaud, les chiens ne mangent pas beaucoup. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Mais de toute façon, à partir du moment où ça fait 24 heures que votre chien n'a pas mangé, là, il faut s'inquiéter. Voilà. Donc ça déjà, c'est la première base. Si votre chien, il n'a pas l'attitude de d'habitude, c'est-à-dire que il joue pas, ou il est très souvent couché dans le panier, ce qui n'est pas son habitude, ou il veut pas sortir, il est un peu faiblard, voilà, ça faut faire attention. Où il a le nez qui coule, chaud, ça c'est pareil. Faire attention. Vous avez aussi, vous prenez la température. Si le chien il a plus de 39, c'est qu'il a de la fièvre. Donc, si le chien il a de la fièvre, qui mange pas depuis 24 heures. Bah là, on se pose pas de questions, de se dire on va peut-être attendre 15 jours. Hein. Non. On appelle le vétérinaire. Simple. Si votre chien, au niveau des selles, il est en diarrhée, mais vraiment liquide. Hein, alors, vous pouvez lui donner du Smecta.
Voilà. L'uriné du smecta, un sachet, la moitié le matin et la moitié le soir. Vous pouvez faire ça. Alors, même quand il va bien et qu'il a de la diarrhée, vous pouvez lui donner du smecta et vous ne lui donnez pas à manger pendant 24 heures. Mais ça, c'est s'il va bien. S'il va pas bien, vous l'emmenez chez le véto. Hein. Vous attendez pas qu'il soit en train d'être allongé. Vous l'emmenez chez le vétérinaire. Voilà. Donc après, voilà, c'est les signes traditionnels, j'ai envie de dire, qui sont pour tous les chiens. Et si vous connaissez bien votre chien, de toute façon, normalement, ça doit vous alerter. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je conseille les mutuelles pour chiens. Et vous avez Agria, qui est très bien, qui est d'ailleurs recommandée par la SCC, Société Centrale Canine. Donc Agria, oui, vous pouvez regarder sur Internet. Mutuelle, oui, c'est très bien, effectivement, parce que... Alors surtout pour certaines races. Surtout pour certaines races qui sont évidemment plus fragiles que d'autres. Alors le pincher, à part des fractures... Généralement, ça sert parce que ça peut vite monter. Ça peut vite monter. Généralement, une opération c'est au moins 1000 euros. Donc, si vous pouvez éviter de se dire on fait quoi? On a les sous, on opère ou on euthanasie Ouais, il y en a beaucoup et en fait, faut voir les garanties quoi. C'est surtout ça. Faut voir les garanties. Qu'est-ce qu'ils proposent le mieux et dans quelles conditions. Mais effectivement, pour certains chiens, c'est très très bien, notamment tout ce qui va être les chiens à face plate, qui sont très fragiles, qui ont beaucoup de problèmes respiratoires, cardiaques. C'est vraiment des choses qui sont bien à prendre. Après, il faut savoir que je pense que c'est comme les personnes âgées. Les assurances, les mutuelles assurances, voilà. Il faut les prendre dès que le chiot, il est petit. Parce que, en fait, arrivé à un moment donné, si vous dites, bah, mon chien, il a 12 ans, oh, bah, on va peut-être prendre une assurance parce que là, effectivement, il commence à avoir des problèmes de santé, ça commence à coûter cher. Les assurances, elles peuvent. Y a beaucoup qui vont dire non, le chien est trop vieux. Pourquoi? Bah parce que déjà d'une, c'est pas rentable pour eux. On va pas se le cacher. Parce que plus le chien il prend de l'âge et plus forcément il y a un risque potentiel de besoin au niveau santé. Dysplasie, fracture, voilà, toutes ces choses-là. Et après, ils prennent plus au niveau tarif, aucune idée, je sais pas du tout. Mais effectivement, ouais. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que de le prendre quand votre chien il est jeune, c'est qu'il n'a pas développé, alors soit de pathologie, soit de maladie, soit de blessure ou autre. Du coup, quand vous achetez un chien, vous avez un certificat de bonne santé. Ou en tout cas, généralement, il est en bonne santé. Donc, vous allez chez votre vétérinaire, il vous fait le certificat de bonne santé que vous fournissez à l'assurance. Je pense que ça doit se passer comme ça. Comme quoi, votre chien, il n'a pas de problème, quoi. Du coup, le jour où il a quelque chose, ils ne pourront pas vous dire, ah oui, mais à cet âge-là, il avait ça ou quoi? Donc, ils sont obligés de prendre en charge. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre quand le chien est en bonne santé. Du coup, voilà. Voilà pour le sujet. Est-ce qu'il y a des questions?
Bonjour Lily. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer sur le cinquième sujet. Donc, c'est la sociabilisation avec les congénères. Eh oui, primordial. Mais ça, c'est pas à un an hein, du chien hein, qu'il faut le faire. Ça, c'est dès que le rappel de vaccin de votre chiot a été fait, et non pas avant non plus. Parce qu'il y a un risque de l'emmener dans des parcs. Il y a des chiens qui se baladent. Vous savez pas si le chien du voisin ou celui qui habite à 300 mètres, il est bien vacciné. Donc on sort pas son chiot de 2 mois dans les parcs publics. À éviter. Fortement même. Parce que si il y a un chien qui se balade et qui a une parvovirose, eh ben bonjour. Non, parce qu'une parvovirose, c'est 100% mortel. Donc, voilà. Vous attendez. C'est pour ça que pendant ce temps-là, le temps que votre chien il est vacciné, donc au moins jusqu'au rappel de vaccin des 3 mois, vous utilisez les alaises. Vous utilisez soit les toilettes pour chiens. Vous utilisez votre jardin. Ou des endroits où il y a extrêmement peu de chiens qui se baladent. Voilà. Donc une fois par contre que votre chiot est bien vacciné. Donc 3 mois. 3 mois, 3 mois et demi. Là, sociabilisation à fond. Hyper important. Surtout chez le pincher. Tout ce qui est terrier un peu. Surtout chez le chien, sociabilisation. C'est-à-dire, bien vacciné, très bien. On fait les parcs. Les parcs communs. Où donc il va y avoir du monde. Où il va y avoir d'autres chiens. Important. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans des clubs canins. D'une part, ça va faire de la sociabilisation avec les autres congénères. Et en plus de ça va renforcer les liens avec le propriétaire, avec le maître. Donc ça, double positif. Ensuite, vous pouvez aussi, et c'est conseillé, les endroits de foule. Vous allez être des adeptes du marché le dimanche. Et oui, ça évite d'avoir des chiens craintifs. Parce qu'il y a du monde, il y a des animaux, il y a du bruit. L'idéal. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Les brocantes. Voilà. S'il y a des adeptes de brocantes le dimanche, parfait. Emmenez votre chien. En plus, ce qu'achètent chez nous, c'est les plus beaux. Je rigole, mais c'est vrai, hein, je ne veux pas le cacher, ils sont très beaux, mes chiens. Du coup, sortez-les! Sortez les chiens! C'est important. Voilà. Donc, pour la sociabilisation, il faut. Voilà, des endroits de foule, des endroits où il y a d'autres chiens. Allez-y. Au contraire, c'est très bien. Merci Ingrid. du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Sur la sociabilisation avec les congénères et du coup aussi avec le monde extérieur qui est important pour éviter d'avoir des chiens craintifs, agressifs. Voilà. Alors oui, concernant le chiot, tout à l'heure je disais éviter les endroits où votre voisin ou celui de 300 mètres, vous ne savez pas si le chien il est vacciné, d'emmener votre chiot dans ces endroits-là. Et en plus de ça, votre chien il va avoir le nez par terre, il y a des choses sales, il peut y avoir de l'eau, des rats sont passés, donc c'est hyper dangereux. Voilà. Par contre, effectivement.
Si vous avez de la famille, des chiens, bien sûr. Alors, si vous avez évidemment la certitude que les animaux sont bien vaccinés, si vous avez des chiens déjà à la maison, que vous achetez un chiot, ou si vous avez la famille qui ont des chiens mais qui sont bien vaccinés, bien sûr que vous pouvez faire côtoyer votre chien, votre chiot avec leur chien. Au contraire. Au contraire. Plus vous le faites tôt, mieux c'est. Mais c'est bien de le faire dans de bonnes conditions pour pas mettre en danger la sécurité de votre chiot. Voilà. Mais bien sûr que oui, vous pouvez le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était clair, je pense. Il n'y a pas de questions. Du coup, on va passer sur le sixième sujet et le dernier de la soirée. Voilà. Pas des moindres d'ailleurs. Alors, la mienne est peureuse, voire prête à partir loin des chiens qu'elle ne connaît pas. Et non pas avec ceux de la famille, comment faire? Ah bah oui, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Parce que, alors, soit parce qu'elle est impressionnée, ou effectivement, comme elle ne les connaît pas, elle a peur de leur réaction ou autre. Donc, oui, c'est possible. Comment faire? Bah, faut la sociabiliser. Alors, la forcer, c'est délicat. Mais faut la faire côtoyer des lieux où il y a d'autres animaux, où elle peut pas s'échapper. Après, ça, c'est pour ça qu'il faut le faire dès tout petit, quoi. Plus vous le faites tôt et moins vous avez de risques que votre chien développe ces craintes-là, quoi. Après, Noël, à quel âge vous avez commencé à faire la sociabilisation de votre chiot avec les chiens d'ailleurs? Que vous ne connaissez pas. Si le chat n'aime pas le chien, ah bah ça malheureusement, vous pouvez utiliser des prises phéromones. Feli Way. Ça peut aider. C'est long, hein, mais ça peut aider. Moi, ça avait mis. Alors, c'est pas entre un chien et un chat, c'est entre deux chats. Ah ouais, bah Noël, non, mais à un an et demi. Ouais, un an et demi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à un an et demi, il a déjà développé des craintes et tout. Donc, malheureusement, c'est délicat. Faut vraiment y aller. Ouais, c'est. Là. Un an et demi, ouais, je pense qu'il faudra aller en cours d'éducation canine avec votre chien. Parce que du coup, il y a d'autres animaux. Et en fait, ils font des jeux où les animaux se croisent. En fait, les gens ne bougent pas. Et chacun son tour avec votre chien. Vous allez faire des slaloms à côté des gens qui ont leur chien, qui sont assis et tout ça. Et voilà, ça peut aider. Mais malheureusement, je peux pas. Là, j'ai pas trop de conseils. Je suis limitée là. Donc voilà. Ouais. Non, mais quand c'est pas sociabilisé, les tout petits, le pincher, déjà, si à 7 mois il n'est pas sociabilisé. Ça peut vite devenir l'enfer. Donc, ouais. Non, c'est compliqué. Donc, du coup, voilà. Après, de toute façon, généralement, hein, tous les gens qui ont des problèmes de comportement ou d'éducation, passé les 1 an, sincèrement, moi, j'oriente les clients vers des éducateurs comportementalistes qui peuvent des fois débloquer des situations. Donc, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas.
Hein, voilà. Ensuite, Violette, sur comment se faire rencontrer deux chiens avec laisse, sans laisse. Alors, tout dépend. Tout dépend. Il faut voir le comportement des chiens. Si les chiens ne prêtent pas forcément attention, vous pouvez faire sans laisse. Voilà. S'il n'y a pas d'animosité, si ça se sent, mais. Alors, toujours dans un endroit neutre, hein. Généralement, c'est bien. Jamais dans. L'un, il est chez lui et l'autre, il vient d'ailleurs. Parce que forcément, il va y avoir une rivalité. T'es chez moi, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Donc, généralement, rencontrer dans un lieu neutre. Ça, c'est très bien. Dans un parc fermé, où il n'y a pas d'échappatoire, qu'il n'y en ait pas un qui s'en va ou quoi. Parc fermé et vous détachez les chiens. Voilà. Vous marchez l'un à côté de l'autre, vous voyez le comportement attaché. Vous marchez l'un à côté de l'autre, vous voyez le comportement des animaux. Et si vous voyez qu'il y a pas forcément. Alors vous les laissez se sentir. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'agressivité ou quoi, vous détachez les deux chiens. Ils vont se rencontrer, ils vont se sentir les fesses, voilà. Alors soit ils vont commencer à jouer, soit ils vont s'ignorer. Voilà. Après, si vous voyez qu'effectivement les deux chiens, dès le début, ils ne peuvent pas se blairer, ils sont tendus sur la laisse, là, faites attention. Voilà. Faut vraiment y aller progressivement. Faut y aller progressivement. Voilà. Ou de chaque côté d'un grillage, vous pouvez les faire déjà se rencontrer. Au moins, il y a une sécurité. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal dit sur le sujet. De rien. Donc du coup, on va partir sur le sixième sujet, le dernier, qui est apprendre à ne pas aboyer. Alors à partir d'un certain âge, encore une fois, moi j'ai pas de pouvoir magique, hein. Donc voilà. C'est dans le comportement, c'est dans le caractère. Il y a des fois des chiens, on peut pas faire grand-chose, quoi. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà quand est-ce qu'il aboie et pourquoi? C'est toujours la question. C'est quelle est la circonstance qu'il fait aboyer? Est-ce que il s'ennuie? Est-ce que il est content? Est-ce que il y a quelque chose d'intrus? Quelque chose qui, pour lui, est un danger? Est-ce que y a des choses suspectes, des gens qui rôdent, qui ne connaissent pas, ou voilà. Faut toujours se poser la question pourquoi. À quel moment il aboie? S'il aboie parce qu'il est content, bah vous essayez de le canaliser et chut, ça suffit. Si il aboie parce que y a quelqu'un qui est derrière la porte. Moi, sincèrement, c'est très bien. Il fait son job. Après, tout dépend des chiens. Mais concernant le pincher, ça reste un chien de garde, hein, quand même. Hein, pour ceux qui connaissent la descendance, il fait son job. Alors, si ton pincher, il aboie parce que tu pars, c'est la peur d'être tout seul. Ou parce que des fois, il s'ennuie. Donc, il appelle. Il dit, ouh, reviens. Je veux pas être tout seul. Ou, bah, je m'ennuie, donc j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Donc, il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Donc là, je vais agrandir le sujet pour l'ennui.
Qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour l'ennui, pour éviter qu'il aboie, qu'il ait le temps d'aboyer? Vous pouvez laisser la télé. Ah oui, bah oui, ça coûte un petit peu de sous parce qu'il y a l'électricité, mais c'est une technique. Vous pouvez utiliser la télé. En plus, il y a des chiennes, il y a des chiennes sur la TNT là, spéciale pour les animaux, pour les chiens notamment. Donc vous pouvez lui laisser sa télé de chien. Très intéressant. Pas pour vous, mais pour le chien. Donc vous pouvez lui mettre la télé. Si vous ne voulez pas mettre la télé, moi sincèrement, il n'y a pas de télé sur l'élevage, donc les chiens, ils n'ont pas la télé. Mais par contre, ils ont le poste radio. Jour et nuit. Ils ont la radio. Ils ne sont pas tout seuls. Bon, déjà, ils ne sont pas tout seuls parce qu'effectivement, ils sont plusieurs, mais ils ne sont pas tout seuls. Ils entendent des voix humaines. Ils entendent du bruit. La musique. C'est moins stressant pour eux. Donc moi, je leur laisse la radio. Vous avez aussi des jeux interactifs. Donc on en reparlera aussi sur le sujet, quand on fera le sujet sur les jouets. Vous avez tout ce qui est Kong. Mais quand vous achetez le Kong en plastique, simple, à un moment donné, c'est pas intéressant. En plus, il n'y a personne pour le balancer, donc... Le chien, ça ne l'intéresse pas. Le machin plastique, ça va durer 2 minutes. Hein. Par contre, les Kong, à la base, c'est pour mettre des trucs dedans. Vous mettez des friandises. Alors, des fois, les friandises, les chiens, ils s'en lassent. Hein, je ne vous cache pas. Mais en plus, des fois, ça ne dure pas longtemps parce qu'ils arrivent à les sortir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la mousse. Vous avez la mousse pour chiot, vous avez la mousse chicken, après vous avez les mousses pour les adultes, vous avez chicken, vous avez bœuf, etc. Vous mettez de la mousse dans le Kong, et ça, ça va l'occuper pendant un petit moment. Parce que quand il va arriver au fond du jeu pour prendre la mousse, ça se trouve, vous serez déjà rentré. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, attention, il faut prendre... Alors ça, c'est bien comme jeu, mais alors il y a toujours un mais, parce qu'il y a eu des chiens confinés aux urgences. C'est qu'il faut prendre la bonne taille. Ne prenez pas pour un Rottweiler un Kong XS comme ça. Parce que le truc, ça va être une friandise miniature. Il va gober le Kong. Donc non, 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 on prend un Kong adapté à la taille de son chien. Donc s'il faut en acheter 3, parce que le chien il a grandi, ben on en achète 3. Un chien, de toute façon, ce n'est pas des économies. Hein. Donc déjà, voilà. Mais il faut acheter un jeu adapté à la taille du chien. C'est important, ça évite les problèmes. Il y a des chiens qui se sont retrouvés avec la langue coincée dans des Kongs, confinés aux urgences. Donc, attention. Ou des dents coincées, ou voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis attention. Prenez des jeux adaptés à l'âge et à la taille de votre chien. Vous avez tout ce qui est les buns, les jeux buns. Bon, je vous montrerai quand on fera sur les jeux. C'est intéressant, hein, je pense que le sujet de jeu, ça va être super sympa en plus. J'aurai des produits à vous proposer et tout, donc ça va être super sympa. Et par exemple, les buns et tout, vous avez plusieurs âges dessus. Donc, utilisez pas pour un chiot un jeu où c'est marqué extrême. Parce que le but, c'est qu'il se fasse les dents dessus. Si le truc, il est dur comme du bois. En plus, c'est du plastique. Hein. Donc, si c'est du plastique super dur pour un chiot, je pense que ça va être difficile de jouer avec. Hein. Ou si, par exemple, votre chiot de 2 mois, qui est un Yorkshire ou un Pinscher nain, vous lui prenez un os grand comme ça, qui est censé être pour un Doberman, ça va pas être très interactif. Donc voilà, si vous voulez que votre chiot il évite d'aboyer, utilisez des techniques que je vous ai données et utilisez des jeux adaptés à l'âge et à la taille de votre chien. Voilà. Il y a aussi des chiens
qui aboient parce qu'ils sont enfermés en cage. Je parle parce qu'en fait, moi j'ai le cas actuellement. Alors, ça dépend des fois, hein. Là je les entends pas. Mes Russes, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, j'ai des Ruski Toy. J'en ai deux, j'ai Sonic et Chanel. Alors eux, ils ne supportent pas, alors surtout Chanel, c'est vrai qu'elle n'aime pas trop, ils ne supportent pas être en cage. Des fois, je les mets, parce que sinon, ils courent partout. Et en plus, elle n'est pas toujours très propre, donc elle pisse partout. Et puis, j'aimerais faire le ménage. Là, tout à l'heure, j'ai fait mon ménage et tout, donc je les ai mis en cage avec Haribo. Et bien, elle fait que de pigner, ou elle saute. Elle fait que de sauter dans la cage. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Donc, elle ne supporte pas être en cage, donc elle gueule. Elle gueule, elle gueule, elle gueule, elle gueule. Par contre, quand elle est dans la maison, on l'entend jamais. Sauf si y a du monde derrière la porte ou quoi, mais on l'entend pas. Ils sont sur le canapé ou sur le lit, on les entend pas. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi d'être enfermé, il y en a qui n'aiment pas. Donc, la technique du parc, qui peut être intéressant. Où vous rajoutez le parc devant, du coup, ça permet, le chien n'est pas totalement cloîtré dans la cage, il ne se sent pas vraiment oppressé. Du coup, il y a quand même un petit espace extérieur où vous pouvez mettre un petit panier, un petit plaid, voilà, pour qu'il puisse se poser. Donc ça, ça peut être aussi une technique. Voilà. Après, il faut savoir, attention, le chien, il ne va pas vous parler. Le chien, il ne parle pas la langue humaine. Hein. Donc, bah, son seul moyen de faire comprendre quelque chose à l'humain, ça vous est jamais venu à l'esprit de se dire qu'il essaye peut-être de vous parler? C'est l'aboiement. Le grognement. En fait, le son qui sort de sa bouche, quoi. Souvent, c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut essayer de comprendre. Il comprend pourquoi. Et encore une fois, si vraiment vous avez essayé plein de choses et que vous n'arrivez pas, ça ne sert à rien de se dire « Oh, j'en ai marre de ce chien, je le fous au garage. » Ou « J'en ai marre de ce chien, bah, on va le vendre. » Ou « On va le donner. » Ou « Non, non. » Éducateurs comportementalistes. Des professionnels sont là pour vous aider, pour comprendre, pour vous orienter. Et souvent, c'est pas le chien qu'ils éduquent, c'est les maîtres. Eh oui, souvent c'est les maîtres qu'ils éduquent. Et quand les maîtres sont éduqués, ils comprennent mieux leur chien. Du coup, bah, ils peuvent mieux éduquer le chien. Voilà. Donc voilà sur ce sujet. Donc avez-vous des questions sur ce dernier sujet pour ce soir? Et pour finir, si vous avez des suggestions de sujets pour les prochains lives, eh bien, mettez en commentaire, je note. Et du coup, la semaine prochaine, puisque j'ai dit qu'on fera un live par semaine, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Voilà, c'était le premier live qu'on faisait. Donc, voilà, avec plaisir de vous avoir parmi moi, parmi nous ce soir. Tous un grand merci en tout cas d'être présents. Et puis, comme ça, bah, toutes les semaines, je ferai un live. On a dit un par semaine et après, on fera peut-être deux en fonction. Il y avait une question. Alors, pour un chien qui mordit tout le temps, alors ça, faut pas le laisser faire. Hein, faut lui dire non. Le non, c'est important hein, chez le chien. Alors, en revenant un petit peu hein, en détail sur l'éducation, un chien où on lui cède tout, on lui dit oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Un chien où c'est pour lui il n'y a pas de règles, c'est pas un chien heureux, hein, je vous le dis. Voilà, on peut dire
Oh, c'est cruel, des fois le chien on le gronde ou on lui interdit ça ou non. Un chien, il a besoin d'un cadre, d'avoir des règles. Psychologiquement, un chien, c'est hyper important pour lui. C'est une sécurité, c'est un besoin. C'est psychologique, hein. Les chiens, ils ont besoin d'avoir un cadre, avoir des règles. Ils sont pas heureux hein, si on leur cède tout, si enfin c'est non 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 c'est important pour eux. Ouais voilà c'est comme les enfants. Surtout qu'un chien vous lui donnez ça il vous prend ça. Donc si vous voulez pas un jour en vous asseyant sur votre canapé qu'il vous montre ses belles dents, je vous conseille sincèrement d'éduquer votre chien. Parce que c'est lui ou vous, hein. Il n'y a qu'un maître. Il n'y a qu'une personne qui fait la loi. Réfléchissez bien. Un chat qui mordit les mains tout le temps, alors on dit non et on lui tape sur le museau. Non, non. Voilà, faut pas se laisser faire. Et apporter des jeux. Toujours le jeu. Des choses intéressantes, adaptées, pour qu'il mordille. Et on en reparlera la semaine prochaine parce que j'ai des super trucs à vous proposer. Tout ce qui va être fromage de yak et tout ça. Voilà, c'est une petite surprise, mais c'est le top. Et en fait, les chiots, ils adorent et c'est super bien pour les dents. Et du coup, c'est mieux que les mains, hein, donc, du coup, voilà. Donc, encore une fois, bah, merci pour vos visites sur le live ce soir, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur Facebook. La vidéo, donc le live en fait, va être retranscrit sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il y a aussi il y a déjà des vidéos de nos chiens. Abonnez-vous. Voilà, ça, c'est toujours bon pour nous, pour l'élevage. Et puis partagez, voilà. Qu'on soit de plus en plus sur les lives, hein, c'est intéressant, en tout cas pour vous, je pense que c'est intéressant. Et surtout qu'il y aura plein d'autres sujets, donc du coup, voilà. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Oh, c'est bien. Donc, bah, du coup, je vais vous laisser. Voilà, un grand merci à tout le monde. Et puis, je présenterai donc le prochain live sur la page Facebook et qui sera retranscrit sur Insta, parce que de toute façon, les deux se font. Et comme ça, je pense que ça sera pour samedi prochain. Samedi prochain, il y a le départ d'Aristote qui est prévu samedi prochain et dimanche la semaine prochaine. Alors je parle pas de ce week-end, hein, je parle de le week-end d'après. Il y a la portée de Roxy, voilà, qui est censée arriver. Donc, du coup, on verra en fonction du live est-ce que je pourrais le faire ou pas, que je sois pas en mise bas à ce moment-là. Hein, voilà. Eh bien, bonne soirée à tout le monde, bonne nuit et bon week-end. Et à la semaine prochaine. Bye bye!